J'espère que vous allez tous, ça tourne très bien. Ouais, ça va, on s'est réveillé. Il fait super beau, comme vous pouvez voir. Soleil. Il est 8h42. Et on va aller se promener un peu. Et je vais vous montrer l'accueil, tout ça. Parce que hier, je vous avais filmé ça, mais les rushs n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vous ai fait une première partie. Aujourd'hui, je suis habillée comme ça. J'ai mis un pantalon, mon débardeur que ma belle-sœur m'a offert. Je vais mettre ma petite veste que vous voyez ici, là. Sur la chaise, avec mes petites sandales de chez Timou qui sont là-bas. Je vous les montrerai tout à l'heure parce que là, je sais même pas ce que je suis en train de vous filmer. Et voilà, je vais emmener, je pense, ma paire. Ça sera plus simple pour vous filmer. J'ai déjeuné déjà. Et puis voilà. Il a fait super chaud cette nuit. Mais bon. Allez. Wali wali. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais mettre ma casquette que j'ai achetée hier. Je ne vous l'ai pas montrée. Elle est comme ça. Voilà. C'est 100% coton. C'est une taille unique. Et c'est une isotonnerre. Je ne savais même pas. On l'a achetée au champ de je ne sais plus où on est parti là. C'est Brive-la-Gaillarde. Ouais, voilà. Et on a fait 2-3 petites courses pour hier soir, aujourd'hui, et je pense jusqu'à mercredi. Et après, pour jeudi, vendredi, samedi matin, on refera certainement des courses. On verra bien. Voilà, voilà. Donc là, c'est le deuxième jour de vacances. Il fait super beau. Et voilà. Oui, ce que vous voyez là, c'est le chargeur. Oui, le chargeur de mon PC. Mon PC qui est ici. Voilà. Oui, voilà. Oh, j'ai en train de charger mon téléphone parce qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie hier. Et après, comme ça, je vais pouvoir finir de vlogger aujourd'hui. Désolée si vous ne comprenez pas ce que je dis, je suis fatiguée. Mais fatiguée parce qu'il fait chaud. Hein. Mais sinon, ça va. Voilà. Dites-moi si vous la trouvez jolie, ma casquette. Je la trouve jolie, mais. Vous voyez bien, il y a des petits reliefs, voilà. Et voilà. Ben voilà tout le monde pour ce matin. Je vais vous faire visiter au niveau de l'accueil, tout ça, le camping. Hier, je vous ai fait, je crois que je vous ai montré le mobilhome, mais je crois que j'ai pas mis je vais vous le refaire là, le mobilhome, parce que je crois que j'ai pas posté, il me semble. Donc je vais vous faire visiter là, et puis voilà, à tout de suite.
Alors, je vous fais visiter. Alors, là, l'entrée, elle est ici. Voilà, entre comme ça. Ensuite, là, vous avez un miroir. Ensuite, ici, vous avez la douche. Là, je vais mettre la crème là avec le parfum. Après, je vais mettre ça après. Là, ensuite, là, je vais faire la vidéo de ça. Je vais la faire à côté. Je vais trouver un petit endroit. Voilà. Je vais faire la vidéo. Donc là, c'est des jeux qu'on a amenés. Voilà. Ensuite, là, vous avez la cuisine. Voilà. Là, vous avez le frigo. Là, ici, vous avez un garde-manger. Voilà. Là où vous avez le micro-ondes. Là, vous avez la terrasse. Ensuite, là, vous avez les décimes. Là, vous avez une chambre. Là, vous avez la cuisine. Voilà. Et là-bas, vous avez une autre chambre. Voilà, voilà. Voilà pour la petite visite. Je vais mettre mes chaussures et vous faire visiter le dehors après. Voilà. Le mobilhome, il est assez grand. Il est vraiment bien. Voilà tout le monde. À plus tard. I try to tell myself to stop, guess it's not enough. I'm gonna let you look in my eyes as close as you can. All the feelings touching my lips, don't care if I'm known. I've been waiting for you, for you. Là, il y a des sanitaires qui sont ici. Là, vous avez d'autres mobilhomes qui sont là. Et là, vous avez marqué piscine, réception, épicerie, boutique. Là, ici, vous avez la réception. Là, c'est là où on était hier soir. La petite. Oui, restaurant. Là, vous avez la petite.
avez le lac par ici, on peut descendre là. Parfait, pour aller au niveau du lac. Isn't that enough? I never wait for someone else, but you make me laugh. I've been thinking of you. Isn't that enough? I try to tell myself to stop, guess it's not enough. I'm gonna let you see me, I'm gonna be as close as you want. I wanna feel you touching my lips, don't care about me. I've been waiting for you, for you. I've been waiting for you, for you. C'est là où on a mangé hier, tu vois, la petite crêpe et le croissant. On va peut-être une photo de la piscine pour la miniature de. Miniature de mon deuxième vlog. Je me mets plein la tête, hein, c'est plus intéressant. Vous voyez ce que je vois, Regardez comment c'est joli. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc je sais pas si je vous fais une photo du lac en miniature ou une photo de la piscine. Peut-être faire une photo de la piscine. Je vais si ça bouge un peu plus. Et là ça descend un peu. Très joli ici. On a bien choisi. L'année dernière, on avait choisi un autre camping, mais il n'était pas pareil. Il n'était pas aussi grand. Il n'y avait pas autant de choses. Petite fleur. On entend les oiseaux, c'est vraiment agréable. For you, isn't that enough? I never wait for someone else, but you make me laugh. I've been thinking of you, isn't that a love? I try to tell myself to stop, guess it's not enough. I'm gonna let you look in my eyes as close as you want. I wanna feel you touching my lips, don't care if I'm wrong. I've been waiting for you, for you. I've been waiting for you. Vous voyez là-bas, il est juste là. Dites-moi ce que vous faites vous aujourd'hui, si vous êtes en vacances, si vous êtes parti, où vous êtes, dites-moi en commentaire si ça m'intéresse de savoir si vous êtes parti en vacances, si vous êtes à la maison, si vous travaillez, dites-moi en commentaire s'il vous plaît.
It's not enough. I'm gonna let you look in my eyes as close as you want. I wanna feel you touching my lips, don't care if I'm wrong. I've been waiting for you, for you. I've been waiting for you, for you. And Carrie Fisher's right, I want you tonight, tonight. It's not enough.
regarder les parapluies en haut. Coucou tout le monde, je vais vous faire un petit haul dans mon vlog. On est parti faire des magasins et donc mais c'est pas à moi. Et donc là on est parti à Noz. J'ai trouvé beaucoup de choses à Noz. On est parti dans un magasin asiatique. J'ai oublié le nom. Où j'ai pris un livre. On est parti à H&M. Où je me suis pris des lunettes de soleil parce que j'en avais pas. Et on est parti dans un autre magasin asiatique. On a pris de quoi faire des dégustations. Mais ça, je vous ferai ça pour ce soir. Et j'ai pris aussi à Cultura un cadeau pour ma maman. Alors, je vais commencer par Noz parce que j'ai pas mal de choses. Et après, je ferai H&M et le magasin. Et voilà. Et Cultura, bah, je pourrais pas vous montrer parce que en fait, c'est pour ma mère. C'est un cadeau. Donc, vu que je sais qu'elle regarde mes vlogs, je vais pas vous montrer. Et mon copain, il m'a donné ces deux DVD qu'il a trouvé. Vous voyez là. Je vous mettrai les prix dans la vidéo. Mais voilà, il a pris deux DVD. Je vous les montre comme ça, c'est pour mon copain. Donc là, je me suis mis dehors. Ça va. Il y a des gens qui passent, mais ça va. Alors, j'ai le ticket de caisse qui est ici. Et je vais vous mettre les prix dans la vidéo. Donc je vais garder le ticket caisse. Mais sur les articles, il y a aussi les prix. Donc voilà. Mais je vous mettrai les prix dans la vidéo, ce sera plus simple. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les vêtements parce que j'ai acheté deux choses seulement. J'ai acheté ce haut là. Avec des flammes en rose. Je vous laisserai après et je vous l'inclurai à la suite. J'ai pris aussi celui-ci. En termes de vêtements, il y avait pas mal de choses, mais j'ai pris celui-ci. C'est comme ça. C'est derrière qui est comme ça. Pareil, vous verrez porter ce strap. Hein. Voilà. Je verrai porter ce que ça donne. Ensuite, je vais vous montrer les objets et après je vous montrerai tout ce que j'ai pris au niveau de la beauté. Donc j'ai pris, je ne vais pas vous ouvrir tout mais je vous montre. C'est je sais pas comment on appelle ça. Attendez, je vous montre. En fait, c'est une pochette qui se rabat comme ça. Voilà.
Et en fait, à l'intérieur, je vais mettre mes goodies, vous savez, des albums de BTS. Il y a souvent plein de goodies dedans, des stickers, tout ça. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, il y avait ceci. Donc, c'est un miroir. Super joli. Et ça, je vais le mettre sur ma table en fait. Pour ma coiffeuse. Parce que je n'ai pas de miroir, hein, je suppose. Ça va, il a une bonne taille. Il est super beau. Voilà. C'est la marque Tichy. Toujours chez Nose, un recouvre-cils. Voilà, tout comme ça. Je vais pas l'ouvrir. Hein. C'est la marque Oriflame. Voilà, pareil, je vous mettrai tout. Deux palettes, une Lovely Miss Lily comme ça, de l'os, je trouve qu'il est assez grand. Il y a pas mal de choses. Yes. La palette est jolie. Un short pour montrer la palette et dans le short je vais faire le swatch. Voilà, les deux palettes. Mon maquillage, toujours.
y a un peu les étiquettes. J'ai trouvé un set de pinceaux. Je crois que c'est mon copain qui a trouvé celui-ci. Ah, il y a même une frousse avec. Pas. C'est juste la trousse qui sent un peu mauvais. Donc c'est le tout petit pinceau. On va voir. Voilà. Et du coup, on va faire un petit poil dans la trousse. Voilà, pour ça. Je vais mettre le mascara dedans. Ensuite, il y a deux vernis. Je mets des vernis en fait sur mes pieds et je mets vernis semi-permanent au niveau des mains. Voilà, donc j'en ai trouvé deux. C'était joli. C'est chiant ce petit test là. Voilà, là vous voyez les couleurs. J'aime beaucoup les bouchons, sont jolis. Le numéro. Il n'y a pas les numéros. Ah si. Je sais pas. Là, il y a un numéro ici, là. Je crois que c'est le numéro 6. Là, il y a pas. Bon, c'est un violet avec un peu d'argenté dedans. Et lui, c'est un rose. Joli. Le pinceau est assez petit par contre. A voir. À tester. Voilà pour les pinceaux. Comme je vous ai dit, je vais m'amuser à enlever les étiquettes. J'ai mis là-dedans, comme ça je sais où c'est. Donc voilà, en maquillage, j'ai trouvé ça. Les vêtements, les accessoires. Et là maintenant, ce qui reste à nous, c'est de la beauté. Donc en beauté, j'ai trouvé gel pour les mains à la fraise et un latex. Bon, ils sont operculés. Donc je peux pas vous dire qu'ils sont operculés et à la fraise et à la pêche. Voilà. Ouais, ils sont assez grands. J'ai trouvé
un shampoing solide à la banane. Il sent super bon la banane. Ça sent pas la banane bonbon, ça sent la banane fraîche. Il est comme ça. Voilà. Et c'est un shampoing. Ils sont super bons. J'ai trouvé un savon d'anis. Regardez. C'est vrai que ça c'est super bien ça. Et comme ça. À tester. Pareil, je vous mettrai les prix. Hein. Mais je pense que vous avez vu les prix sur les étiquettes. Mais je vous mettrai les prix. Ça, c'est des lingettes. Lingettes. Voilà. Voilà, j'en ai trouvé deux. Lingette démaquillante. Et moi, je vais les utiliser pour enlever les swatchs. C'est vegan. Biotanique. Voilà. Voilà. Des lingettes. Et le dernier produit, c'est de chez Léa Nature. C'est de l'eau thermale, soin apaisant, baume hydratant, protecteur, non parfumé, peau sèche, après sèche, sensible à réactive eau thermale florale de Myosotis Bio. Voilà, c'est une crème apaisante. Ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'était chez Nose. Ensuite, chez... comment on appelle ça ? H&M, j'ai pris des lunettes de soleil parce que j'en avais pas. Elles sont super belles. Je les ai payées 12,99€. Vous avez le H&M et voilà, elles sont comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc là, elles sont dorées là et en fait c'est un dégradé de marron. Elles sont super bien. Je vais vous montrer partout. Moi, ce que vous en pensez. Moi, je trouve super bien. En dernier, j'ai pris ça. C'est dans un magasin. Un magasin qui vend des comics. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai le premier. Et là, j'ai trouvé le deuxième. Il y en a 10 apparemment. Et voilà. Il y a le prix dessus, mais je vous mettrai le prix dans la vidéo. Et ça, c'est à Cultura, mais c'est pour ma maman. Voilà tout le monde, c'était mon petit haul, enfin petit, grand, de chez Nose, Cultura, H&M et le magasin asiatique. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Hein. On avait un budget avec mon copain pour se faire plaisir pendant les vacances. Et donc voilà, il me reste encore des sous. Donc vous allez avoir d'autres hauls jusqu'à qu'on parte samedi. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye.
Re, tout le monde, je vous ai fait un haul que j'ai inclus dans le vlog qui dure assez longtemps quand même. Donc ce vlog là, le deuxième jour, va durer bien longtemps. Donc si vous aimez les vlogs avec pas mal de choses, vous allez être content. J'espère bien. D'ailleurs, c'est un des hauts bien vlog. Là, je ne vais pas clôturer trop tard le vlog vu qu'il est déjà assez chargé. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le montage. Voilà. Et je suis déjà à 40 minutes. Donc voilà, je pense que je ne vais pas clôturer trop tard. Je vais vous faire une dégustation parce qu'on a acheté aussi des produits dans un magasin américain. Et des produits dans le magasin asiatique dont je vous ai fait le vlog. Et je me suis dit je vais inclure ça dedans. Mais là ça va être beaucoup trop long, donc je pense que je vais refaire une autre vidéo que je vais vous mettre après dégustation, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ah oui, j'ai trouvé ça à Auchan. En fait j'ai cru que c'était juste un jus à base de melon, mais en fait non, parce que vous voyez c'est de l'eau pétillante. Et ça va, c'est pas trop pétillant parce que moi, avec mon estomac, je peux pas. Là, ça va, ça sent énormément de melon. C'est vraiment super bon. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi. Voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est super bon. J'aime beaucoup. Donc voilà. Là, il me reste juste. J'ai déjà fait le montage du vlog. Et là, il me reste juste à vous clôturer le vlog, l'inclure dans le montage et après vous la mettre en ligne. Je vais essayer de ne pas la mettre en ligne trop tard cette fois. Donc voilà, on se retrouve justement après pour clôturer le vlog. Là avec mes copains, on va se caler un petit peu dehors. Je ne sais pas si je vous inclus ce qu'on va manger et je clôture avec vous. Voilà, je vais voir. Mais ça va pas... est trop longue parce que là, comme je vous ai dit, le vlog dure déjà plus de 40 minutes. Donc voilà. Mais au moins, vous verrez, il est assez varié. Et j'espère qu'il vous plaira. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît. Je sais que le premier vlog, ça va apparemment. Il a l'air d'avoir bien plu. Donc voilà. Et le deuxième, on verra. Et puis de toute façon, je vous fais un vlog par jour. Et voilà. Comme ça, vous partagez mes vacances avec nous. Et voilà, dites-moi c'est en commentaire si ça vous plaît que je fasse des vlogs même quand je suis chez moi. Voilà, des vlogs un peu comme ça de vie quotidienne, si ça vous plaît. Parce que moi, j'ai vraiment adoré faire le montage et vous présenter pas mal de choses là pendant mes vacances. Donc dites-moi si ça vous intéresse même quand je suis chez moi, si je vous fais aussi des vlogs. Comme ça, vu que maintenant j'ai un logiciel de montage, j'ai un ordinateur qui est assez performant, je peux vous faire des choses assez sympas. Vous inclure des petites images, des petites musiques, des choses comme ça. Donc dites-moi en commentaire sous ce vlog là si ça vous intéresse que je fasse aussi des vlogs chez moi. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour ou vous montrer ce qu'on va manger ce soir ou clôturer le vlog. Voilà, à tout à l'heure. Je viens pour clôturer le vlog là. On a mangé au restaurant qui est dans le village du camping. Je vous ai inclus le cocktail que j'ai pris. Donc c'est un cocktail sans alcool à base de noix de coco. Franchement, il était super bon. Par contre, on a mangé là-bas. Moi, j'ai pris juste des frites avec brochette et salade. Comment vous dire que ça m'a fini. Donc je clôture ce vlog où je sais pas si vous voyez un petit peu ma tête. J'ai été malade. Donc voilà, je vais vous passer les détails d'une personne qui est opérée de l'estomac quand elle est malade, ce que ça fait. Voilà. Donc voilà. De toute façon, comme mon copain il a dit, à partir de demain, on mangera ce qu'on a appris dans le frigo, puisqu'on a acheté des choses. Donc voilà. Mais sinon ça va, hein. C'est juste que bon voilà, quand ça passe pas, ça passe pas.
Voilà, bah, je viens pour clôturer ce vlog. Je vais vous refaire une autre vidéo dégustation que je vais vous mettre pour peut-être demain, 14h. Je vais la faire tout à l'heure avec mon copain. Je vais attendre un petit peu. Et on va la faire dehors. Et je vous la mettrai demain pour 14h. Sachant que demain à 18h, vous aurez la vidéo de la box de... Je vais y arriver. De la box de... des bougies. Oh là là. Il fait tellement chaud que voilà. Et voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. J'espère que mon vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo ou un vlog, je vous fais plein de bisous. Bye tout le monde!